née lundi 7 décembre 2020, une alpina. Prélude. Litanie numérique. 7 par 7 égale 49 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. 49 minutes, 49 conférences d'une minute papillon. Conférence action hyper para conceptuelle, vraiment patata physique. Je ne vous parlerai pas de Camille Brienne et de son anthologie de la poésie naturelle de 1948. Je ne vous parlerai pas d'Iliade et de son ouvrage rarissime « Poésie de mots inconnus » de 1949. Je ne vous parlerai pas d'Antonin Artaud et de « Pour en finir avec le jugement de Dieu » de 1948, interdit de radiodiffusion jusqu'en 1974. Je ne vous parlerai pas de romans Kéno et du collège de pataphysique de 1947. Je ne vous parlerai pas de Jean Dubuffet et de l'art brut. Je ne vous parlerai pas d'Ange Michaud et de ses pictogrammes. Je ne vous parlerai pas de Christian Dautremont et de ses logogrammes. Je ne vous parlerai pas d'Asker Yorn et de Cobra. Je ne vous parlerai pas d'Isidore Isou et du lettrisme et de la novatique de 1946. Je ne vous parlerai pas de Gilles Bollmann et de ses mégapneums. Je ne vous parlerai pas de François Dufresne, du TPL et du CRIRIM. Je ne vous parlerai pas de Guy Debord et de l'international situationniste. Je ne vous parlerai pas d'André Breton et de son ode à Fourier. Je ne vous parlerai pas de Marcel Duchamp et de la désappropriation. Je ne vous parlerai pas d'Ansarp et du hasard. Je ne vous parlerai pas de Raoul Haussmann et du tiffonisme. Je ne vous parlerai pas de René Magritte et de ses vacheries. Je ne vous parlerai pas de Francis Picaglia et de sa revue 491. Je ne vous parlerai pas d'Aimé Césaire, de la négritude et du colonialisme. Je ne vous parlerai pas de Jacques Audiberti et de l'abhumanisme et de son ouvre boîte de 1952. Je ne vous parlerai pas d'André Martel et du Papa Paul. Je ne vous parlerai pas d'Hector Varèse et de son poème électronique de 1958. Je ne vous parlerai pas d'Altagore et de la métapoésie de 1945. Je ne vous parlerai pas de Pierre Schaeffer et de la musique concrète de 1947. Je ne vous parlerai pas d'Henri Matisse et de son livre d'artiste jazz. Je ne vous parlerai pas de Tristan Tzara, de Dada et de son étude sur Villon. Je ne vous parlerai pas de Boris Vian et de son livre « En avant la physique ». Je ne vous parlerai pas de Jean Poulenc, des fleurs de Tarbes et de la NRF. Je ne vous parlerai pas de Pierre Faucheux et de son espace typographique. Je ne vous parlerai pas de Le Corbusier et de la cité radieuse. Je ne vous parlerai pas de Gerasim Mouka et d'Eros Limite. Je ne vous parlerai pas de Jean-Louis Brault et du singe appliqué. Je ne vous parlerai pas de Robert Esbal et du schématiste. Je ne vous parlerai pas de Maurice Lemaître et du cinéma expérimental. Je ne vous parlerai pas de Raymond Reims et de ses La Palissade. Je ne vous
parlerai pas de Jacques Viguier et du Lacéré anonyme. Je ne vous parlerai pas de Jacques Poliri et du premier festival d'avant-garde en 1960. Je ne vous parlerai pas d'Yves Klein et de son jardin électronique. Je ne vous parlerai pas de Lucio Fontana et de son manifeste blanc. Je ne vous parlerai pas de Wolf Vossel et du théâtre dans la rue. Je ne vous parlerai pas de Ben et de son théâtre total. Je ne vous parlerai pas de Daniel Spery et de sa topographie anecdotée du hasard. Je ne vous parlerai pas de Pierre Garnier et du spatialisme. Je ne vous parlerai pas d'Henri Chopin, de Bernard Herzig et de la poésie sonore. Je ne vous parlerai pas de Brian Gazin, du Piatop, de Hayam Tatayam. Je ne vous parlerai pas de Jacques Lebel et du Happening. Je ne vous parlerai pas de Francis Ponge et de ses poèmes. Je ne vous parlerai pas de Jean Tardieu, du domaine poétique. Je ne vous parlerai pas de Robert Filliou, de Georges Brecht et de la Cédille qui sourit, ni de Dick Hittings et de la Something Else Press. Et tout cela avant 1962. Alors, une petite litanie des noms des individus qui, entre 45 et 62, on peut dire à Paris, presque tous à Paris, pas tous, mais presque, ont engendré un bouleversement de la politique. Camille Brienne, Iliade, Antonin Artaud, Raymond Queneau, Jean Dubuffet, Henri Michaud, Christian d'Autremont, Asger Yorn, Isidore Yezou, Gilles Bollmann, François Dufresne, Guy Debord, André Breton, Marcel Duchamp, Hans Arp, Raoul Haussmann, René Magritte, Francis Picabia, Aimé Césaire, Jacques Audiberti, André Martel, Edgar Varèse, Alphagore, Pierre Schaeffer, Henri Matisse, Tristan Tzara, Boris Vian, Jean Poulan, Pierre Foucheux, Le Corbusier, Gérasim Lucas, Jean-Louis Brault, Robert Estival, Maurice Lemaître, Raymond Hinz. Jacques Villégret, Jacques Poliri, Yves Klein, Lucio Fontana, Wolf Vostel, Ben, Daniel Spery, Pierre Garnier, Henri Chopin, Bernard Herzig, Brian Gazin, Jean-Jacques Lebel, Francis Ponge, Jean Tardieu, Robert Filliou, Georges Brecht, Dick Higgins, etc., etc.